Je suis là pour aider copains Mozart, quoi. Si tu veux venir m'aider à faire des cahiers, vas-y. Il y en a plein des magasins. Le seul truc que je reprocherais à Mozart, depuis qu'il est connu, grâce à qu'il est vedette, hein, grâce à ses ronds, il est vedette hein, dans le monde entier, grâce à des ronds, hein. C'est quand même dingue. Hein. Je sais pas si t'as vu des photos, mais il s'habille comme une gonzesse. Terrible. Tu sais qu'il met des bas jusque-là, sur son pantalon, hein. Personne lui dit, tu sais, il met des bas jusque-là. Et de la dentelle et tout comme ça, il met de la dentelle. Et des perruques. Des perruques qui a oublié les bigoudis sur les côtés. Même qu'il se maquille avec de la farine comme ça. Une tapette, quoi. Enfin bon. Moi, je te mettrai un bleu de travail, c'est réglé. Hein. Voilà. Quand t'entends sa musique classique, tu pardonnes. Hein. Bah, tiens, regarde. Vas-y, Mozart. Oh, il y a les orchestres aussi. Ça impressionne, les orchestres. Hein. J'en ai vu il n'y a pas longtemps. J'ai les orchestres. C'est plein de musiciens classiques. Ils connaissent le roi Mozart. Hein, avec plein d'instruments classiques de la même famille que le piano. Hein, la famille des instruments qu'il ne faut pas shooter dedans. Et pas branché à l'électricité non plus. Tu regardes un orchestre, c'est pas une prise, c'est pas une rallonge, rien. Hein. Ça consomme rien, facture EDF0. Hein. Et par contre, il y en a partout. Il y aura un orchestre ici. Il serait partout, ça monterait derrière et tout comme ça. Il y en aurait debout, devant, comme ça, avec des petits pianos, tu sais. Comme ça, ils les mettent là. C'est des tout petits pianos qu'ils mettraient juste à côté. Il y en a avec des plus grands pianos, comme là. À côté des très, très grands pianos. Et pff, je le mets là. Ben, ça tient pas, hein, quand ça tient pas. Hein. Après, tout en haut, tu sais, derrière, j'ai regardé, tu sais, il y en a un, il fait la gueule et tout comme ça. Puis d'un seul coup, il fait boum, 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 qui refait la gueule. Ouais, parce qu'il n'a qu'une note à son piano, alors. Hein. Et juste à côté de lui, un tout petit peu plus haut, c'est lui qui est le plus haut. Hein. Lui, il fait rien, c'est dingue, tout le long de l'orchestre, rien. Si, juste à la toute fin, il fait... Et il rentre chez lui. C'est nul, hein, comme piano. Mais pourquoi qu'il vient, qu'il s'habille en pingouin, juste pour faire « qu'à la fin ? Il n'y a que faire ça de chez lui, par téléphone. Comme ça, il reste en pyjama. Allô? Ouais, c'est moi. Ouais, je suis en pyjama, ouais. Oh, c'est moi, quitte pas. C'est bon? Bon, à demain. Eh, hey, demain, c'est ton capel, hein. Et il y en a un aussi, j'ai regardé, il y en a un. Il n'y a pas de piano. Il dit, qu'est-ce qu'il fait, l'autre, là? Il fait son fier ou quoi, là? Il n'y a pas de piano, l'autre pingouin du milieu, là? En fait, s'il y en avait un, j'avais pas vu, un tout petit comme ça, il le prend, puis il fait... Il souffle dedans. Des fois, il prend celui-là. Ouais, c'est quand il y a un bouton de fièvre. Ah ben, ça pique, hein, ça brûle, hein, un bouton de fièvre, obligé, hein. Et quand il y en a 4, 5, 6 comme ça, là, à côté de l'autre, qui ont que des pianos à bouton de fièvre, c'est que ça fricote, hein, dans l'orchestre, hein. T'es pas du propre, hein, t'es pas du propre. Et bon, et en tout cas, ils jouent tous en même temps, les pianos. Et ça fait un de ces boucans, tous les pianos en même temps. D'ailleurs, à cause de ça, il y a une sorte de chef, quoi, debout, devant, qui leur dit « Doucement, les gars, les voisins, doucement. Arrête avec ton piano, toi, moins fort. Attention. Coup de baguette, hein, tu la connais, celle-là? T'as goûté, déjà? Elle va retomber, hein. Et c'est bon pour tout le monde, hein. Arrêtez avec vos pianos, les voisins vont descendre. Ils vont descendre. Oh, il peut plus faire le chef, Yuri. Personne l'écouterait. Oh. Ah ben, il peut plus prendre le paquebot non plus. Et à la pistache, il reste dans le petit bassin, l'eau jusque-là. Oh. Il croit qu'il nage, en fait, il marche. Pauvre Yuri. Même ça, on peut plus faire. Faut qu'il demande. Ben, va doser sur un autre. On pense pas à tout ça quand on a des bras. Hein. On pense pas. Hein. Oh. Pépé. Et papa. Et fiston. Et bébé. Il sait pas bien, bébé. Hein. Le soir, après le cours, je le raccompagne Yuri dans le couloir. Chaque fois, je lui demande. Yuri, ça y est, je suis plus fort que Mozart. Hein. Ah ouais.
Dites donc, Yuri, il vous aurait pas coupé la langue aussi Oui, oui, bah parler français sans la langue, ça marche pas. Oui, oui, merci. Salut. Yuri, Yuri, hein, pas de bras, pas de chocolat. Non, non, c'est une blague. C'est une blague française. Bon, bah, je vous laisse fermer. À demain. Je suis taquin. On est taquin, nous, les ch'timis. Non, ce qu'il y a de bien quand ton prof, il s'en va, c'est que... Même ça, il peut plus faire. Quand il fait du stop, il fait comme ça. Personne s'arrête. C'est pour ça qu'il est toujours en retard. Il a essayé de reconduire, mais il va dans le mur. Même en Twingo. Non, ce qu'il y a de bien quand ton prof, il est parti, c'est que tu peux refaire des trucs comme Mozart qui a pas bien fait. Tiens, regarde, regarde, regarde. Bon, c'est bon, mais au bout d'un moment... Alors qu'il y a des autres notes à côté, pourquoi il les a pas mis, Mozart? Il était trop occupé à se déguiser en tapette ou quoi? Ça va, regarde, 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 regarde. Ah, c'est bien, c'est mieux, c'est moi qui ai trouvé. On peut même mettre des paroles dessus, ça reste quand même de la musique classique, hein. Moi, j'ai des bras.